poste de second, en fait, c'est un peu comme dit son nom, c'est second et le capitaine aussi. Comme beaucoup de navires au commerce, en fait, je suis en charge de la sécurité du navire. Donc à chaque escale, dès qu'il y a des nouveaux arrivants, là il y a un briefing sécurité du navire. Donc présenter le navire, le matériel de sécurité, tout le matériel de sécurité du bateau. Ça va être aussi faire les exercices de sécurité, les exercices incendie par exemple, que je ne vais pas tarder à faire prochainement. Et révision du matériel de sécurité, etc. Ouais, si vraiment dans les cas extrêmes le capitaine peut pas exercer ses fonctions, à ce moment-là, ouais, je prendrai le rôle, mais c'est jamais arrivé. Mais légalement, c'est le capitaine qui reste responsable du navire et qui a le pouvoir décisif, quoi. Donc je peux le remplacer dans certains cas, mais avec sa décision à lui, quoi. Après, c'est vrai que mon rôle aussi, je suis pas mal sur le pont. Donc l'entretien avec Nico aussi, l'entretien du pont aussi pas mal les manœuvres de voile. Donc quand il y a des manœuvres de voile, je suis beaucoup sur le pont, essayer de diriger un petit peu la manœuvre de voile pour que tout se passe bien, pour éviter qu'il y ait des accidents, comme le bateau est assez toilé, il y a beaucoup de charges en eau-boute, il faut faire attention aux manœuvres, donc diriger beaucoup les manœuvres de voile pendant que le capitaine, lui, est à la barre, quoi. Et je peux faire certaines choses, comme par exemple l'éclairance, quand on arrive dans certains pays, alors l'éclairance, ça va être... En fait, l'autorisation, c'est les préparations pour avoir les autorisations pour rentrer dans le pays. Donc là, il y a plein de formulaires à avoir. En général, c'est soit le capitaine ou qui le donne au second et qui va faire ça, quoi.